Très chers compatriotes, je ne puis que vous dire encore une fois merci. Merci à toute cette diaspora depuis 3 ans et en train de prévenir que le Congo va exploser. Mes frères et sœurs, je suis rentré en 2013 dans l'émission d'Aristide Mobebisi. J'avais prévenu tout ce désordre qui allait arriver. Les images sont encore là. Nous avons eu une campagne que tout le peuple congolais a dit non. Arrivant en août, ne changez pas de constitution. Vous l'avez changé, cette constitution. Vous avez décidé de revenir en mars pour changer cette constitution. Nous l'avons acceptée. Vous avez demandé d'aller aux élections. Nous avons dit allons seulement. Et nous avons gagné cette élection. Le général Jean-Marie Moukoko a gagné son élection. Monsieur Guy Parfait Kolela a gagné son élection. Malgré ça, vous vous êtes permis de prendre le général Moukoko, l'enfermer comme un vulgaire voleur, un vulgaire délinquant. Nous l'avons accepté. 79 jours de résidence surveillée. Nous l'avons accepté. Très cher frère, avant-hier soir, vous l'avez conduit à la DST chez vous, dans cette putain de maison de torture. Nous l'avons accepté. Vous l'avez conduit au tribunal. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça un tribunal. Nous l'avons accepté. Vous l'avez pris, vous l'avez menotté. Vous, une bande de Mamadou, menotté un général aussi brillant que le général Jean-Marie Moukoko. Nous l'avons accepté. Mais vous pensez que nous allons continuer à accepter cette pagaille jusqu'à quand? Personnellement, vous pensez que nous allons continuer à accepter cette pagaille jusqu'à quand? Une bonne partie de notre jeunesse, qui en notre âge, entre 48 ans, 50 ans, n'ont jamais travaillé, parce que vous avez décidé que ça va se passer comme ça. Depuis 2002, vous avez mis une politique de destruction dans ce pays. En commençant par nous faire entrer une bande de prostituées dans toute la République, en abrutissant des gens dans l'alcool, nous l'avons accepté. Vous avez pris l'une des plus grandes entreprises au Congo. Elle est alcoolique. Cette putain d'entreprise qu'on appelle Primus, pour abrutir cette génération en leur donnant de l'alcool à longueur de journée, la jeunesse congolaise ne fait que boire. Sexe, drogue, alcool. Nous allons l'accepter jusqu'à quand? Cette génération. Vous pensez qu'on sait pas ce que vous êtes en train de trafiquer? Et voilà encore une fois, vous vous levez. Prendre notre génération en otage. En otage. Mais nous allons l'accepter jusqu'à quand? Vous vous dites putain d'intellectuel. Intellectuel de quoi? Vous êtes arrivé en 14 ans, vous avez pillé 43 milliards d'euros. Nous l'avons accepté. Et aujourd'hui, vous prenez le général Moukoko, vous le jetez en prison. Mais vous pensez que nous allons vous respecter? Franchement, vous pensez que nous allons vous respecter? Oui. Nous savons d'où nous venons. Cette pagaille, vous allez l'assumer. Vous allez l'assumer et nous allons veiller à ce que vous l'assumez. Parce que trop, c'est trop. Je sais de quoi je parle. Toute une génération traumatisée par des armes, par des emprisonnements. Des emprisonnements, des armes, des emprisonnements. C'est quoi ce putain de pays? C'est quoi? Donc vous me prenez pour des imbéciles parce qu'on ne dit rien. Oui, vous avez abruti une certaine génération, mais beaucoup sont sortis.
Beaucoup sont sortis et ils vont libérer ce pays. Commande qu'on descende, on va libérer ce pays. Vous nous prenez pour des imbéciles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Tous vos 400 coups, nous sommes au courant. Le dossier du général est vide. Vous parlez de complot. Complot de quoi? Loïc Le Floch. Vous parlez de tricot. Complot de quoi? Cette putain de cassette, vous l'avez montée? Moudilou s'est vanté avoir fait cette... Il s'est permis de traiter le général son fils politique. Mais Moudilou, vous devez assumer cette responsabilité aujourd'hui que le général aille en prison. Monsieur Moudilou, maître Moudilou, je ne sais plus quoi que ce soit là. Vous devez l'assumer. Mais quoi? Parce qu'on ne dit rien. Parce qu'on se regarde. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un pays de droit. Vous allez être poursuivi. Toutes personnes qui ont monté ce dossier seront poursuivies. Nous avons encore des avocats dans ce pays. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? De se lever un matin par un procureur bidon, aussi nul que je sais pas quoi, qui ont mis une merde, venir se lever? Oui, monsieur Ngakala. Mais monsieur Ngakala, je sais où ce que vous êtes, vous. Monsieur Ngakala, qu'est-ce qui se passe? Cette folie de prendre un général comme Moukoko, le jeter en prison. Enfin, très chers compatriotes de la diaspora, arrêtons de déconner. Nous sommes un beau peuple. Nous avons vu de quoi nous étions capables. De quoi nous étions capables. Ce pouvoir est aux abois. Et aux abois. Organisons-nous. John Binit Nzaba. Godefroy Garanda. Le docteur Banzi. Le docteur Kinzondi. Saneli Tambatamba, Itoua au Congo, cette génération de Paris, vous êtes aussi nombreux. Antoine, Kiou, organisons-nous les gars. Démontrons-leur de quoi nous sommes capables. Parce que nous avons affaire à une bande de fous. Cette bande de fous pense qu'ils peuvent nous gérer. Mais ces morts là vont durer jusqu'à quand? Et nous allons rester les bras croisés. Certes, Balouba Dalinga, l'Ampiaka, les bandits, mais Balamberto, Beta Komba, depuis 3 ans, l'Ampiaka, l'icône des athées, te déranger, Bango, sans l'art. Tu continues, Liamino. Balamero, Yambokan. Boulam, c'est esprit. Bazo, Balouba, Josokiri, Bautinda, Biloba, Foulard, Bautia, Biloba, Bouk. Petit en Autambouka, Josokeri, Lela Komodondo en Ambukana, Bazobana. Mais Mbokana, les Cambodges. Bangola, c'est ça. Petit en a démontapé Maran à 14 ans. Petit en a des miliciens formés par Kingo et Bende. N'a eu l'histoire à Mbokana bien. Boko Sabisote. Bobima, ma chef de guerre, Bobia Bobara, Batuitalami, et Talibi. Mais va pas gagner la vie de la guerre en 97 et affaire la vie sautée. Bolanda va zobana assumer votre responsabilité. Mais vous sautez, vous tiens pas gagner la guerre nord-sud, toi n'a gâtité. Tous en a gâtité, vous vous assumez. Paix, justice, Rolanda Bino. Bah la mère, vous fongez l'esprit. Vous tiens comme Bolanda va zoba. Mi bali va comme Abassi, Bassi va comme Anibali, Likamboni. Likambonini. Tu colles en moi la tête. Tu colles des moines. Bonjour, la Samson. Dimitène Lango, moitié en boca, bao salate, botipe samboka la bawara, bao commande bis. Et nous tous à Bino, Bino Banani. Nafungo la Bino 2016, tu coquem des Sabino, pego coquemba. Idéologie à moi. Idéologie, Yango, Yanini.
Boko baka général, boko betele monote. Donc, au moins, biso bazoba, bo vivre biso. N'espère bien. Vive la République. Ingeta. N'espère bien.